Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo qui portera sur le plancher pelvien. Lors d'une préparation prénatale, il est impératif pour moi de bien comprendre comment une grossesse et un accouchement peuvent avoir un impact sur votre plancher pelvien et par le fait même comment mettre tout en œuvre pour prévenir le plus possible ou du moins amoindrir les répercussions qui pourraient y avoir à court, moyen et long terme sur votre condition, les mamans. Pour ce faire, c'est sûr qu'au départ, il faut savoir qu'est-ce qu'un plancher pelvien. Hein? Après ça, c'est quoi les rôles attendus? Et de savoir aussi comment le fait de porter un bébé et de le mettre au monde peut changer, peut transformer la structure du plancher pelvien. Et bien sûr, comment mieux vous préparer durant la période prénatale en vue de l'accouchement et comment mieux récupérer à la période postnatale. Pour nous en parler, qui de mieux qu'une experte en rééducation périnéale? Elle est physiothérapeute de formation et elle travaille avec toute son équipe quotidiennement auprès des femmes enceintes et des nouvelles mamans. Elle s'appelle Marie-Ève Prince. Merci Marie-Ève d'être notre experte du jour hein, pour parler du plancher pelvien. Merci Marie, merci surtout de t'intéresser au sujet qui est super important dans un contexte de grossesse, dans un contexte périnatal également. Prenons le temps de bien comprendre de quoi il s'agit quand on parle du plancher pelvien. Premièrement, la musculature du plancher pelvien, c'est une structure qui s'installe entre les deux ischions et qui ferme la partie basse du bassin. Donc, le muscle débute là, au niveau du pubis et se termine au niveau du coccyx et part d'un ischion à l'autre. C'est une structure musculaire qui va donc supporter les différents organes et qui a toute son importance dans un contexte de grossesse. Vous comprendrez qu'enceinte, le surpoids, l'utérus qui prend de plus en plus de place va stresser énormément cette structure musculaire-là et pourrait amener de la faiblesse, pourrait amener des problématiques dont on va discuter un peu plus tard en s'attardant aux différents rôles du plancher pelvien.